Eh bien salut à tous, c'est Blood of Devil. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo assez spéciale. Aujourd'hui on va parler de 50 Cent, mais surtout d'une vidéo qu'il a sortie. Alors c'est une vidéo d'un remake de Spider-Man. En fait c'est lui qui va être en Spider-Man, mais en fait cette vidéo, vous allez avoir les sous-titres en même temps, parce que je la filme avec mon téléphone, voilà. Vous êtes tout à voir, de toute façon à côté de moi, voilà. Et là on va voir en même temps vous avec les traductions et tout, et vous allez voir que cette vidéo est pas mal du tout. Déjà vous allez voir que 50 Cent en Spider-Man, ça fait bizarre. Parce qu'il est assez balèze du coup, nous on a l'habitude d'un Spider-Man assez fin, pas trop de muscles. Alors que là vous allez voir un gros musclé Spider-Man, mais voilà. Allez c'est parti, on regarde ça. Spider-Man. 50 Cent Studio déjà. Regarde. Une fille normale. Et pourquoi tu marches si vite, Blanche-Neige? De toute façon, vous avez le temps de lire. Là, il y a Spider-Man. Regardez comment il est balèze. C'est bizarre d'avoir un Spider-Man aussi large. Elle n'a jamais été aussi grosse, l'araignée dans son dos. Voilà, là, il a sauvé Spider-Man. Il a sauvé la fille. Hello? You have a knack for getting in trouble. And you have a knack for saving my life. I think I have a superhero stalker. I was just in the neighborhood. Do I get to thank you this time? Attention, on va le remercier. Oh. What? Nothing. It's just, you're not what I expected. Bah, that's me. S'attendait à que ce soit pas un noir, en fait, sous le masque, madame. Elle croyait que c'était pas un noir. I couldn't survive because I was bitten by a radioactive spider. Of course. I'm sorry. And after my uncle got shot, I vowed to use my powers to fight crime. Your uncle got shot, and your parents? Also killed. Mm-hmm. Yeah. You don't seem to be surprised. I feel like it's because I'm black. No! You know, c'est parce que t'es noir, c'est pour ça. Just say black. Everyone knows what you mean when you say urban. That is not true, okay? I shop at Urban Outfitters all the time. Well, I have you know, I'm studying to be an engineer. Good for you. I am a big supporter of affirmative action. Jesus Christ. I got in because I'm smart. You're being very aggressive right now. Oh, now I'm aggressive. Black man can't be passionate about his studies. Okay, now you're just being belligerent. Now I'm aggressive and belligerent. Any other racial coded language you want to use to label me? Oh, there you go. Playing the race card. Next time you're in the alley getting mugged, don't expect me to show up. 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes. I'm on something. Alors, qu'est-ce que vous en avez pensé? Hop, on arrête ça. Tac, vidéo enregistrée. Ok, voilà. Alors moi, je vous le dis, moi, déjà, ça fait bizarre de voir un 50 Cent assez balèze, comme je vous ai dit. Mais après, ça montre bien ce qui se passe un peu aux États-Unis ou sur le racisme. C'est un peu là-dessus, en fait, c'est sur le racisme. Vous voyez, elle a enlevé son masque, et là, elle voit qu'il est noir. Et là, ça l'a surpris. Oh, non. Après, elle dit, lui, il a fait des études, etc. Il dit, oh, l'insertion sociale, etc. Ses parents se sont fait tirer dessus, ils se sont fait assassiner, nanana. Les quartiers de Brooklyn, etc. Ça montre bien un peu tout, et après bah, il va même pas l'embrasser et tout, hein. Il dit dégage, biatch, etc. Franchement je trouve ça sympa que 50 Cent ait fait ça. En plus il y a eu un nouveau Spider-Man qui a pas tardé à sortir je crois, sur une console, mais voilà ça on s'en fout un peu. Mais voilà, c'est sympa comme vidéo qu'il a pu faire. Voilà, alors n'oubliez pas le petit j'aime, le petit commentaire, dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo que 50 Cent a fait de Spider-Man. Et voilà, allez, et je vous dis, bye bye.